L'histoire se passe dans une galaxie lointaine, sur une planète nommée Arst, où se mêlent technologie et fantaisie. Enfin, au niveau du design des costumes surtout. Pas de magie, pas de dragons. Le royaume de Border se fait attaquer la nuit où naît le prince héritier, Jordi. Ah, ne riez pas, hein. Par les troupes de Mardal. Ou Marder, je sais pas trop comment retranscrire. Qui veut s'emparer de la planète. Le roi meurt durant la bataille, mais son fidèle Asbès parvient à s'enfuir avec Jordi, à qui il donne le nom de Jojo, dont il devient le grand-père adoptif. Durant 12 ans, ils vont sillonner le monde à la recherche du légendaire robot Galient, leur seul espoir pour pouvoir renverser Mardal. ガリアンコレクションシリーズついに発売。コレクションシリーズについている応募券5枚で、もれなくメタルメッキのウィンガル G をプレゼント。スペクタクルロマン、非公開ガリアン、賛成より新発売。 Galient est la troisième série de Ryusuke Takahashi après Dogram et Votoms, et juste avant Leisner qu'on a vu la dernière fois. Cette fois-ci, on se retrouve dans un univers beaucoup moins futuriste, car faisant appel à l'Heroic Fantasy. Ce qui, évidemment, va faire penser à Dunbine, sorti l'année précédente. Enfin, Heroic Fantasy, beaucoup plus médiéval que Fantasy tout de même. Comme je le disais plus haut, il n'y a pas de magie ou de trucs apparentés. L'ambiance générale est très sympa, l'histoire intéressante et offrant des orientations assez surprenantes. Cela va parfois assez loin. Trop peut-être. Et le personnage de Shilumuka a de gros... Ok, j'avoue, c'est parfois limite. J'ai pris un plaisir certain à suivre cet animé, mais qui souffre hélas de défauts plus ou moins gênants. Tout d'abord, peu de personnages vraiment haut en couleur. Et certains font vraiment déjà vu, tout du moins niveau design. Window est un croisement entre Vanilla de Votoms et Ni de Dunbine. Hai, lui, c'est un croisement entre Chirico de Votoms et Barn de Dunbine. Ils ont les mêmes doubleurs en plus. Seul Mardal, malgré ses évidents problèmes d'hydrocéphalie, tire vraiment son épingle du jeu. D'ailleurs, certains fans estiment que c'est lui le véritable personnage principal de la série, et je ne suis pas loin de penser la même chose. Ensuite, certains événements qui arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe, sans véritable explication. Enfin, seulement 25 épisodes réalisés sur les 50 de prévu. Comme pour Leisner l'année suivante, le sponsor a été déçu par les ventes de jouets, donc hop, on arrête l'animé avant terme. Les 5 derniers épisodes tentent de résumer ce qui devait en faire une vingtaine. Cela dit, même si tout s'enchaîne très vite, cela reste compréhensible. Mais c'est évidemment très frustrant, car si on avait bien eu nos 50 épisodes, Galient aurait pu devenir une très grande série. Là, elle n'est que sympathique. Et puis graphiquement, c'est pas terrible. Incroyable de voir le saut de qualité si on compare avec Leisner seulement un an plus tard. Je rajoute tout de même un point positif, la bande-son est très bien, même si elle ne vaut pas celle de Dunbine, à commencer par les fabuleux génériques signés Eurox, qui est un groupe au parcours chaotique et aux membres fluctuants, fondé en 1984, séparé en 87, regroupé en 2008, avec seulement deux albums en tout et pour tout à leur actif, le premier en 87 et le second en 2009. Outre Galient, ils ont aussi signé Saint Seiya Lost Canvas en 2009. Trois OVA sortiront en 86, les deux premiers résument la série, et le troisième est une sorte d'univers parallèle, un gros reboot qui reprend juste certains éléments de l'œuvre d'origine. Je ne l'ai pas vu, donc impossible de vous en dire davantage. Galient n'est pas la série du siècle, c'est sûr, mais on passe un très agréable moment. Elle a l'avantage de posséder une fin compréhensible, même si ultra rushée. Et comme toujours chez Takahashi, ambiance et scénario, c'est du lourd. Cela étant, Galient reste la plus faiblarde de ses œuvres, et votre attention est à accorder en priorité à Votoms ou Leisner. Ono, Ten, Wakare, Tabi, Hikari,
闇、砂、謎、そしてガリアン。非公開ガリアン、10月5日金曜日午後5時30分よりスタート。